Monsieur le maire, c'est un jour de bonheur, ça. C'est presque... Vous n'avez pas forcément de fête votive à Champollion, mais c'est la grande fête annuelle, cette foire au Tardon, c'est ça? Oui, c'est la grande fête annuelle, et je vois que toutes les années, elle prend peut-être de l'ampleur, et j'espère que ça continue. Ça fait connaître Champollion, ça fait connaître les communes aux alentours aussi. Orcières, Saint-Jean-Saint-Nicolas et tout. Je vois que tout le monde se déplace pour venir manger l'agneau de Champollion et les produits locaux. Champollion trouve toujours mille manières de faire parler d'elle. La dernière, c'est ce sujet du parc national des Écrins. Vous avez décidé à l'unanimité, je crois, votre conseil municipal, c'est ça? De ne pas adhérer à la charte? À l'unanimité, le conseil municipal a décidé de ne pas adhérer à la charte, au moins pour l'instant. Alors après, je ne sais pas, au début de l'année 2014, il y a des élections municipales, le conseil en place, il pourra décider pour adhérer plus tard. Voilà. Là, on prend la température, comme il dirait le proverbe. Alors, du coup, la conséquence, c'est que, puisque vous n'êtes plus adhérent, vous n'avez pas signé la charte du Parc national des Écrins, on vous demande d'enlever les panneaux communes du Parc national des Écrins. Et quel est votre sentiment? On est toujours dans le Parc national des Écrins, puisque la commune a 5000 hectares dans le Parc des Écrins. On n'a pas adhéré à la charte, on était en zone d'adhésion, aujourd'hui on nous change le système. On réfléchit, on prend réflexion. Je dis pas qu'un jour on n'adhérera pas. Je suis là, je garde les contacts avec le parc parce que c'est des personnes qu'il faut garder. C'est tout. Ils peuvent nous aider à certaines choses et d'autres, on n'en a pas besoin. C'est ça. On prend le temps de réfléchir. Et en attendant, il vous faut démonter les panneaux, du coup. Je ne démonterai pas les panneaux et je suis pas d'accord qu'on les enlève. J'ai 5000 hectares, comme j'ai dit. Le parc va vous demander d'enlever les... Vous avez déjà demandé, d'ailleurs. Il m'a demandé, mais j'ai dit que je ne les enlèverai pas. Alors maintenant, c'est à eux qui prendront la décision, mais on verra. Vous les enlevez pas, pourquoi? Je fais partie de la zone cœur du parc. La commune a la moitié de sa superficie dans le cœur du parc. Elle a 5000 hectares. Alors, aujourd'hui, je fais partie du parc. Ce que vous dites, c'est pas parce qu'on n'a pas signé la charte qu'on enlève le panneau commune du parc. Non, moi non, je ne suis pas d'accord. C'est tout, on verra. On verra l'avenir. Ce matin, j'ai rencontré le directeur. Bon, on n'en a pas parlé, mais il ne m'a pas dit de les enlever. C'est tout. Merci, monsieur le maire. De rien. Et merci. Bravo pour cette foire au Tardon à nouveau très réussie. Merci.